connaissez l'expression ne rencontrez jamais vos héros? Eh ben moi. Partez. Je l'ai fait. Salut à tous, c'est Cédric. Ce soir, je fais une petite vidéo let's play sur la bêta de Marvel Avengers. Allez, c'est part, on y va. Let's go. Bonjour, San Francisco. Ah, ça a l'air pas mal. Au vu des graphismes là. Nous allons voir ce que ça va donner. Alors, Tony, donc, comme tout le monde le pense, bah, ce ne sont pas les acteurs du film qui sont représentés dans le jeu niveau graphisme. Mais bon, c'est du beau, du joli quand même. Hein, on peut pas dire. Pour le moment, hein, bien sûr. On va voir ce que ça donne à la suite. Ah ouais, Thor là, il est à fond là. Trop curé. Ah oui, c'est les... En fait, là, on va combattre les soldats du SHIELD. Je pense qu'ils ont dû péter un boulon, les soldats du SHIELD. Et là, Thor, qui commence à arriver avec un gros coup de marteau sur le sol. Allez, coup de marteau dans ta face, coup de marteau dans ta face. Allez, allez. Yeah, ça, c'est cool comme ça. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Il est pas mal le marteau de Thor comme ça là avec les éclairs dessus et tout là ça. Allez 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 allez. Voilà ça c'est fait. Ah non il y en a un là-bas là. Lui. Allez. Une bonne latte dans sa tête. Et voilà. Au bout. Je vous fais un petit coup sur la voiture. C'est la police. Oh là oh là oh là le policier il est pas content d'aller pas me tirer dessus quand même. Je le vois qu'il a son pétard à la main. Pétard qui veut dire son pistolet à la main. Donc là. Si je me souviens bien, faut casser ce mur. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer au mur où je ne sais ce que c'est. En tout cas, c'est en béton. Ah, encore des soldats du SHIELD. Ils sont pas contents, ces soldats. On va un peu les calmer. Tiens là que je te calme, toi. Attendez, ces armes viennent du SHIELD. Je vais contacter le commandant Hill. Voilà, mon marteau est revenu. On va en calmer encore quelques-uns. Toi, je vais te calmer. Allez hop, prends ça dans ta tête. Toi aussi, tu vas te faire calmer. Tu vas prendre... Un suppo et dodo. Et l'autre là-haut il va prendre un gros suppositoire dans la tronche. Allez hop, c'est parti. Pow, allez. T'as plus qu'à apprendre à nager. Bye bye. Allez, on va sauver le civil là. Allez, on porte, on porte. Vous avez de la chance. Voilà. Je suis très puissant. Merci. Mettez-vous à l'abri. De rien, c'est gratuit. Bon, maintenant je vais essayer de faire un passage là. Ah, là il y a une grosse pierre, je vais essayer de la casser. Aïe, j'ai mal visé là. Allez. Voilà, c'est bon. Oula, le bus il se fait tirer dessus. J'espère qu'il n'y a pas de civil dedans parce que les soldats du SHIELD ils sont énervés. Là, j'y envoie le marteau en pleine face. Ça fait du bien. Bref, les soldats du SHIELD n'ont pas terminé. Ils sont encore là, toujours en force. Là, j'en fais des crêpes. Là, je suis en train de les allonger. Tiens, et clac, clac. Pour eux, c'est un peu comme un gros suppo le marteau quand ils se prennent en plein trou. Ah, ça fait pas du bien ça. Ah, ça vous fait pas du bien les gars. De manger un gros coup de marteau. Eh oh, doucement. Ah, il y en a deux en haut qui me servent dessus. Ah, Iron Man qui va me donner un petit coup de main. Bon allez frère, tu vas me donner un coup de main. On va s'occuper de tout ça. Wow, 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 wow. Du calme, du calme, du calme, du calme. Là, je fais tomber la poudre tellement que je suis énervé. Thor est en plein boom là, il est énervé. Énervé, tu es énervé. Oula, c'est quoi cette caisse? Hein, les soldats du SHIELD ont sorti leur petit bouclier. Eh, mais tu sais que j'ai un marteau tellement solide que vos boucliers vont pas faire long feu là. Je peux vous dire que ça va exploser. Et voilà. Toi aussi, allez, wow. Bon, allez, pow, toi aussi, pow, toi aussi, pong, aïe. Le bouclier là, il ne veut pas lâcher. Et ça y est, il a lâché maintenant. Suppo. Ah, il y en a deux qui me tirent dessus en haut. Allez, un petit suppo. Toi, tu entends prendre là aussi. Voilà. Alors, par contre, je sais pas qui c'est qui tire en haut. Ah, des soldats du SHIELD qui ont les mêmes systèmes que Iron Man pour voler. Super. Ah,
Là, on rentre dans la peau d'Iron Man. Voilà, on guide Iron Man. En mode Iron Man football. C'est super chouette quand même. Hein. Le style et tout. Il n'y a plus qu'à... avancer. Oula. Ouh chaud. Oui, je sais, c'est moi qui les ai fabriqués. Là c'est chaud. On va y arriver, c'est chaud. On devrait protéger le cristal intelligent. S'il est touché. J'ai pas l'impression de viser, hein. Je vise les voitures surtout. Oula, un camion. Explosion. Ça pique les yeux. Allez, une petite pause. Tranquille pour savoir où ils sont. Bah alors, vous êtes où? Ah, les voilà les soldats du Shield. Ah, vous êtes là. Vous allez prendre cher. Iron Man, c'est du solide. Fury cherche ce qu'il contient exactement. Ok, toi tu sors ton bouclier, t'as cru que c'était la fête, mais moi j'ai pas peur de ton bouclier, mec. Ah mais attends, toi aussi tu veux jouer comme moi, tu prends pour Iron Man, mais il y a un seul Iron Man, c'est moi Iron Man. Si je me trompe pas, il y a des soldats encore en bas. Là, on va le définir aussi. Hop là. Je pensais lui faire sa pète avec son bouclier. Ah bah il a plus de bouclier. Attends, on va le terminer lui. Allez, un petit cachou dans ta tête. Toi aussi un petit cachou. Vous allez prendre des cachous dans la tête, ça va faire du bien. Tiens, un petit cachou, c'est gratuit, tiens, toi aussi. Ah là là. Ah ça y est, ils ont sorti les joujoux là. Ils ont sorti les gros canons à laser. Ok, pas de soucis. Le canon à laser du Shield, je vais te les prendre. Je vais leur faire la fête. Et voilà, un d'explosé. Celui-là est parti en mille feux. Celui-là là-bas, il va faire pareil. Allez, explose. Voilà. Attends, c'est quoi ce bordel? Aïe. Ah oui, il est là. Toi aussi, on va t'exploser. Attends, tu crois quoi? Tu crois que je t'ai pas vu? T'exploser. Oui, ça pique. Attends, tu vas voir. Ok. Oh, les soldats du Shield ont sorti les chars. Et aussi on va sortir les objets lourds. Il n'y a pas que vous qui a des du lourd Cap, ce avec vos chars. Pas prêt pour voler. Oh, elle est pourquoi belle la vue là. Quelqu'un a initié les protocoles de sécurité. C'est Black Window. Le Chimère est en pilotage en train automatique. De guider l'avion des Avengers. On y retourne. Négatif. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Ces armes ne doivent pas. Je sais pas pourquoi dans elle est là. Ah bah oui. Merci. D'accord, il y a Bruce Banner avec elle. À toi Bruce. Il retire ses lunettes. Oui. Je pense pas que c'est pour les nettoyer. À part que là, s'il part aux toilettes pour les faire pipi. Non, c'est pas la pause pipi. Il est en train de courir, à moins qu'il est pressé pour aller aux toilettes. Et non, il saute, il plonge dans le vide. Il se transforme en Hulk. Oh, incroyable. Incroyable. L'échec de la lumière. Allez, hop. Un petit réglage ou deux et ça va être parti. Ah, c'est compliqué de sortir de cette pause. Bon. Ah, voilà, c'est bon. Allez, Sierra qui part. Allez, on va faire de la purée de ces soldats. Avec Hulk, le géant vert. Oh, géant vert. Ça va barder. Là, je pense qu'il va soulever des engins. Ça va faire très mal. Avec les soldats là, il les a soulevés cash. Alors le char, il va comprendre sa douleur lui. Je pense pas qu'il va durer longtemps. Viens là petit char, j'arrive. Je vais te choper. Coup de poing. Vas-y, allez, retournez. Ah, il y en a un qui me cherche là-bas encore. J'ai vu un tir de laser du char. Là, on va monter. Hop là. T'inquiète, j'arrive. Bouge pas, j'arrive. Bah du moins j'essaye d'arriver. Oula, non. Mais non. Pourquoi j'ai sauté dans le vide, moi? J'ai pas envie de me baigner. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'arrive. C'est la bonne. J'arrive. Allez, ah, il y a encore un saut à faire. Là. J'en fais de la purée, des petits soldats. Et voilà. Il y en a un qui va aller se baigner. Allez, hop. Bonne baignade. Allez, maintenant que je saute sur le camion. Allez. Oh non. Moi aussi, je suis parti faire ma petite baignade. Bon. Cette fois-ci c'est la bonne. Allez, normalement. 4, 3, 2, 1. Pourquoi je perds? Il n'y a rien qui tire. Oh non! Je suis tombé sur la barre en fernant. Oh non! Abusé.
Bon, là, cette fois-ci, c'est la bonne. La bonne de la bonne. Ok, alors attends. Je fais pause. Voilà. Oh, je pensais oh non. Seulement rencontrer mes fans et manger du gâteau aujourd'hui. Ok. Là. Oh non, je suis encore retombé. Abusé. Abusé, abusé, abusé. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Ah bah voilà. Allez. On y va. On avance. C'est parti. Hop là. Oh là 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 là, ça sert dans tous les sens là. J'ai envie de prendre un char. Après. Ouh, ça c'est cool. Ouh là là. Oh non. J'ai encore tombé. J'ai raté le coup. Ah mais ça s'est écroulé comme je sais pas quoi. Ah ben là je suis en mode dead, là c'est en train de charger pour que je revienne. Aïe aïe aïe, je serais pas tombé comme ça. J'aurais pu passer, mais bon ça se court tellement vite. Putain les décors qui s'écroulent et tout, c'est magnifique. Là j'y arrive, là c'est bon. Eh ben, allez, saute. Voilà, parfait, parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est parfait ça. Attends. Et on va tout droit, on va tout droit, on va tout droit. On saute sur le camion. On va tout droit, on va tout là. J'ai vu une balle passer. Y se tranche au char. Il y en a, je vais lui mettre un coup de pied. X, 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 X. Tiens, bouge mon pied, tu vois. Et toi, le char, tu vas aller retrouver le char là, au fond, à droite. Allez, 4, 2, 1, partez. Oh, joli feu d'artifice. Il est pas content, Hulk. Hein. Ces inventions sont dangereuses. Thor, Iron Man. Ces armes étaient destinées aux gentils. C'est en train de s'embrouiller, les gars. C'est pas le moment. Concentrez-vous un peu. Black Window qui est en train de discuter avec Hulk. Tranquille. Cap, il se passe quoi de ton côté? Pourquoi il y a des sauts des Avengers? On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Ah, d'accord. Captain America qui est bloqué dedans. Le vaisseau a un petit problème. Oula. Ouh, en plus, il y a des civils à l'intérieur. Bravo, Hulk. Franchement. Je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends? Ok. Derrière toi. Ah, Captain America, derrière toi. Ok, ça tire. Oulala. Allez, on envoie le bouclier. C'est parti, dans ta face. Écoutez-moi. Allez, Murray. Regarde toi Greg B. Je t'éclate. Allez, t'es par terre. Eh, vas-y, lance tes bombes aveuglantes. Avec un peu de fumigène en même temps, j'ai même pas peur. Steve, maintenant, tu m'entends? On va s'amuser avec vous. Je vais vous mettre des cachous de plein la face. Vous allez pas comprendre. Allez, talak, 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 talak. Toi aussi, et quoi? Si, tu me cherches. En plus, tu tapes dans le dos. Mais t'as pas honte. Bah, je vais vous faire tous la teuf là. Chacun votre tour. Et puis, chacun votre tour. Allez, pas dormir. C'est ton jour de sommeil. Bon bah je crois que je me suis tué toute la bande. À moins qu'il y en a qui veulent Ah, je suis monté redescendu. Et regarde ça. Et les petits nouveaux avec leur petit bouclier. Ah vous faites les malins hein. Attends que je te chope toi. Tu vas pas comprendre. Ton bouclier il va rien servir. Le mien ouais. Tiens c'est zéro. Nada. Et regarde, goûte mon bouclier, goûte. Ça c'est mon bouclier. Tu vois ça? Pas fabriqué avec des bouts de plastique. Le mien il peut même repousser les balles. Vas-y, amuse-toi, vas-y, tiens. Pow. Oh oh. Oh, tu l'as mangé celui-là. Ah mais toi t'es encore en bout. T'es encore debout, debout. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah ouais mais. C'est quoi ton truc que tu craches là? Eh, hey, t'es mangé une droite, t'es pas relevé là. Oula, qu'est-ce qui se passe là? La structure moléculaire du kérigène se présente maintenant sous forme de gaz. Quelque chose semble alimenter le réacteur en énergie. C'est incroyable. Donc, ouais, l'avion il commence à trembler dans tous les sens. Oula, il y a les boxeurs au point électrique. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me mettre au jus? C'est moi qui vais vous mettre au jus. Vous n'allez pas comprendre là. C'est pas vos petits points électriques qui vont me faire peur. Tiens, mange. C'est gratuit. Viens toi, viens. Viens, je vais te lessiver la tête. Allez, petit cachou dans la tête, petit cachou droite, gauche dans la tête, YP, un gros cachou dans la tête, ça s'appelle mon bouclier.
toi ceci, tu vas te bouffer un cachou mon gars, tu vas pas comprendre. Pao, pao. Allez, bouffe-toi des cachous, bouffe-toi des cachous. Toi, je vais t'attraper, toi, ces gros cachous dans la tête. Le berger ? Ah, vous amenez vos copains, il y en a pas assez comme ça. Oula, je suis bien entouré moi, toi. Ils sont bien six dans la dans le truc. Mais bon, j'ai peur de rien, je leur ai mis des cachous, ils font tous dodo. Allez, faut pas me chercher à moi. On est en descente. Ok, je répète, okay, une bombe okay. Un vaisseau, un problème. Là au plus vite. On est mal barré. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On est mal barré, poussez-vous. Oh, oh la bruchie, il a poussé la petite. Bon, Sonic, c'est une blague. J'espère qu'elle va sauver. Je croyais que l'ONU les avait bannis il y a des années. Allons voir ça. C'est quoi ce canon? Ça arrive à tout berger. Voilà, bah il est pédé le mec. Allez Romain, il a percé le couvent du camion. On va voir qui c'est. Oh, on dirait Thor. Ah non. C'est un mec avec une tête de squelette. Il fait joujou avec sa télécommande. Et en plus il a un beau jetpack. Mec, c'est le Père Noël qui te l'a payé ton jetpack. Si cette bombe explose, elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 km. Alors, non mais alors là, il va avoir du boulot, je pense. Oula, oula. Allez, ça y est, Hulk qui prend pour Tarzan. Et là, je vais être qui là? Black Window. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait ce mec là avec la tête de moi? Au sud. C'est quoi ce décor de malade? Tout s'écroule. Saute sur le dos, sur le dos. Wouah, joli. Ah ouais, mais les effets spéciaux, mon con. Pas mal. Allez, allez. Y, Y. Patate. Là, je vais faire un X, patate, Y, X, patate. Et une petite patate, une petite patate, une petite patate. Les camions, ça fait mal. Patate, allez, patate, patate. Tu vas même manger le sol en option. Y, Y, Y. On va te faire manger le sol un petit peu. Ça va te faire du bien pour ta tête. Ne dis pas merci, c'est gratuit pour te faire manger le sol. Regarde. Cloum, cloum, cloum. Tu dois avoir mal à la face là. Ah d'accord, tu me poses carrément au-dessus du fond quoi. Bon, bah, il va falloir se débrouiller à se débarrasser de ce monsieur tête de squelette. Oh, calme-toi là. Je tire à coups de gun. Oulé, oulé. Ah oui, il faut tirer dans le dos, faut pas toucher le bouclier. Chaud. Allez, esquiver. Là, je tire dessus. Ah non, ça va protéger. Hop là. Esquive. Tirez, 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 esquive, allez tiens, pousse, t'as pu lui en mettre une, c'est moi qui va t'allonger là, pas possible, allez, ouh. Mange la voiture, c'est gratuit, il a encore debout, allez arrange ton sabre laser, c'est pas Star Wars ici mec, t'es trompé de d'endroit là, non mais oh. Toujours des notes comme d'habitude. Quoi? Excuse-moi, mais bon, si tu veux jouer à Dark Vador, c'est pas ici. Hein. Calme-toi, petit. Hein. Des réflexes photographes. C'est plutôt un manque d'originalité. Je vais faire la top à lui. Allez, 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 allez. Le pont est sécurisé. Je vais faire la top, top, top. Tout le littoral ouest. Allez, mange, 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 mange. Mais tu vas manger, oui. Dis donc, t'es un peu cassé, toi. T'as pas envie de dévorer des points et des cookies, toi. Ah, il reste encore 3 barres. Ah, mais c'est solide, mon gars. N'empêche, ça fait un joli perso, ça, pour un autre jeu. On dirait un perso de Fortnite. C'est ta dernière danse. Ok. Ok, il faut l'attraper en tourniquant sur la tête. En tournant plutôt dans la tête.
ça va être compliqué. Ça doit être mais bon, plus 30, c'est grave. J'ai presque réussi à lui mettre sur la tête et le de la tête. Oh, c'est là. Calme-toi, calme-toi. Eh oh, oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je fight mon gars. Je fight, je fight. Attends. Allez, c'est reparti. On fight. Ah ouais, mais il tire du missile. Je sais pas ce que c'est là, lui. Allez, je vais te fighter. Donc, moi, j'ai pas besoin de missile pour me défendre. Je vais fight tout seul. Ah ouais, d'accord. En plus, il y en a encore plus quand tu suis. Là. Alors là, mon gars, je vais pas te laisser partir. Je pense pas beaucoup. Tu vas finir entre deux planches, mon gars. Cherche encore des réponses. T'abandonnes ? Jamais. Allez, c'est reparti. On termine le fight. Alors, qu'est-ce que t'as fait pour l'instant ? Et après, terminé pour toi, mon gars. N'étais pas le cerveau de l'opération. Et n'essaie pas de me distraire. Assez parlé. Allez, le coup de grâce. Le coup de grâce. Allez, Black Window. Le coup de grâce. Voilà. En mode invisible, c'est le meilleur coup de grâce. Tiens, mange, 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 mange. Et mange. Tiens, la prochaine tiens. Fois. On va prendre ça, c'est gratuit. Maintenant débrouille-toi de te sortir sous les gravats. Moi je récupère ton petit jeu. Ton E4310 là, et j'ai calmé ton camion avec ses missiles. On dirait que t'as perdu. Et voilà, parfait. You think you've won? Qu'est-ce que tu trouves si amusant? Look around, Romanoff. The world will remember this day. The day their heroes failed. Fais pas la tête. Tiens. Prends-toi une droite, c'est gratuit. Ne dis pas merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Un Hulk et Thor qui sont venus voir Black Window et Iron Man. Toute la ville s'effondre. Il y a un gros problème, le vaisseau des Avengers. Steve, est-ce que tu m'entends? Sors de là et vite! Putain. Seulement, j'espère que Captain America est sorti à temps. Parce que là, je crains le pire. Ah, c'est à souffler là. Non. Ok. Ah, mais allez sauver la petite fille. Tant mieux. Les Avengers, que, purée, ça m'a fait peur quand j'ai vu qu'elle était à terre devant le vaisseau. Malheureusement, des dégâts sans précédent. Et ouais. Et ouais, ouais, ouais. Notre cher Captain America, Captain America a été tué pendant la tentative de vol. Mais de c'est pas possible, il peut pas mourir, Captain America. Des milliers de gens innocents. Il a sauté, péri. J'ai vu, il s'est paré avant. Porte encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Hayday. C'est impossible. Des centaines de gens pourquoi sont tombés malades, partout, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans oh le mec connu, qui fait du feu avec la maladie a semé Avenger la panique et s'est a menace. Tout le pays. Non et non, alors que les Avengers c'est les pas Avengers une menace, c'est des super héros. De rectifier la situation. Merci. C'est finalement le témoignage du docteur Bruce Banner oh qui oui, a carrément. Semé la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros. Carrément, a fait carrément, de San carrément. Une zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Des gens infectés, dotés de pouvoirs, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés, héros parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, docteur Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir. Le marteau de Thor posé sur après la tombe la liquidation Captain de Stark Industries, le docteur George Tarleton, lui-même victime soit du Hayday Captain America. Et fondateur de l'Advanced ID Mechanics, pense que la science est la solution aux problèmes de notre nation. J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au Capitaine Rogers. Mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre pour garantir votre sécurité. L'AIM saura trouver un remède à ouais. La maladie des inhumains. Excusez-moi, j'écoute le truc. L'histoire jusqu'à présent. Ok, ah, j'ai débloqué les petits trucs pour l'armure et tout. Parfait. Allez, on va continuer. Tony a stocké le gros du matériel ici quand Stark la forêt. Tiens, il y a une si caravane en haut. Sait où se trouve Tony, je sais pas s'il y en a qui sont en vacances ici, mais bon. Ce chemin devrait nous mener à l'entrée secrète un des peu archives. Bizarre. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. J'adore les randonnées. J'aime ton on est Bruce Banner. Tu
Et on doit le dispositif de communication que je t'ai donné. Là, la nana qui est en train de courir devant moi. Il est pratiquement invisible. Ah, mais c'est pas la fille avec ses bras élastiques et jambes là. C'était pas moi. Non, pas Elastic Girl, ça c'est dans les Indestructibles. Je parle de la fille qui peut grandir, venir toute petite, qui a les bras qui s'allongent et les jambes. Il n'y avait personne, Kamala. Le grand gaillard s'est castagné avec quelques agents du CIL. J'ai plus son nom. Je m'en souviens plus. Mais elle est forte elle aussi. Sur la piste. D'Olympa. D'Olympa. Oh. Je vois. Je crois que j'ai trouvé un truc. C'est magnifique la petite forêt. Par contre, je sais pas où elle va, mais elle va nous perdre là. Ok. Il y a un petit passage là. Attention à ta tête. Où ça va nous emmener encore? Attendez. Mystère. Merci. Oula, ça s'est écroulé. Il y a une clairière juste là. L'entrée devrait s'y trouver. Bon, cool. Bah, il ne reste plus qu'encore à avancer. Au fait, pas le choix. À quoi il ressemble, Jarvis ? On va bien trouver le chemin. Un disque dur datant de 1998. 4 km à pied. D'accord. Dans la forêt, question, ça use. Ça ressemble ça use, à quoi, un disque dur datant de 1998 dans la forêt, ça use mes souliers. Bon, enfin, Bruce Banner, ses souliers, les usent quand ils se transforment en Nuko aussi. Hein. Ah, on est arrivé. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça à Jersey City. Donc c'est ouais, une belle, des belles cascades, ouais, des belles chutes là. C'est sympa. Il me laissait venir ici. Sympa à voir. Hein. Avoir un peu les pieds dans l'eau. Ça nous rafraîchit aussi. Elle se regarde les pieds. Tiens, il y a de l'eau qui coule. Bon, il n'y a pas un autre truc à faire que de... Qu'est-ce qu'elle est en train de ramasser? Moi, tu vas pas ramasser de l'herbe pour la fumée. Sacrée coquine, va ramasser de l'herbe pour la fumée. Dis donc, t'as pas honte? Faut pas fumer de l'herbe. Tes pouvoirs vont partir un peu en pétard là. Y a pas un truc? Faut aller à droite là. Attends, à gauche? Non. Ah, j'ai vu une plaque là. Je sais pas si c'est ça, on va quand même voir avec elle avant. Non, elle ça marche pas. C'est bien la plaque. On va aller voir ce que c'est. Ah oui voilà, on fait X. Enfin. Une plaque. On va ça essayer de l'ouvrir. Je sais pas s'il a des forces comme ça sans être Hulk. On va essayer. Allez, force. Non. C'est bien scellé. Ah. Aïe. Ouh, ça fait mal ça. Une décharge. Et là, il est pas content. Vous allez se transformer en Hulk. Eh oui. Il est pas content. Oula, il a dit Thoraz et Hulk. C'est la première fois que je vois Hulk avec de la barbe. X. Toi, le petit robot, écrasé. Je vais finir la tête en cachou. Hop là. Ciao. Allez, qui c'est qui veut prendre son petit suppôt? C'est gratuit. Y'a rien à payer. Enfin, merci. Allez, un peu de vaccine pour tout le monde. Un peu de suppôt. Des cachous dans la tête. Et c'est parti. On y va. Cachou dans la tête. Cachou. Cachou, allez, mange, cachou, c'est gratuit. Le point, c'est plus que des cachous, quoi. Allez. Mais ils sont où? Je vois rien dans cette forêt. Ah, voilà. Il y en avait deux. Oula, deux, trois, quatre. Oh, il y en a plusieurs. Ça fait peur. Et même à 10, à 15, je vous nettoie. Vous vous exterminez, les petits. Vous n'allez pas comprendre. Terminé là. Bon bah ça c'est fait. J'aime hein. Pas ça, j'aime pas ça du tout. Oh oh. Non. On n'a pas terminé le travail. Toi je vais te choper. Taïen est partout. Ah mais j'ai des boucliers. Comment ils ont pu arriver si vite? Ça va, tranquille, facile la nuit. Je vais mettre des cachous dans vos boucliers moi, tu vas voir. Bouge là. Cachou, pas ça, c'est un peu plus. Toi prends un petit cachou, cachou. Et les cachous de tonton U, ça fait mal, ça fait mal. Par où ça passe, aïe. Ça va manquer, tout va manquer. Les cachous. Et arrête de te protéger, je te mets des cachous, toi tu te protèges. Franchement, t'as pas honte, t'es protégé, t'as un petit bouclier. Ça fait penser dans le jeu à nous, les bouclier transparent. Allez. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle débarrasser de manteau. Bon, il y en a encore ou pas? Ah là, il y en a un qui est entre la fin. Oh, encore ceux-là, là. Encore laser violet rouge. Quoi?
de t'envoyer un gros cachou dans la tête. Ouais, c'est téléporté. Petit coquin, va, tu te téléportes ou pas quand t'attrapes? Alors, pause. Ok. Allez, on continue les cachous. Oh. Non, 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 non. C'est pas le moment de lâcher là. Aïe, aïe, aïe. Ils ont encore eu à exterminer. Je crois que j'ai terminé tout le monde. Non, il y a lui. On va l'exterminer. Des petits cachous dans la tête. Oh non, j'ai encore raté. Zut de zut. Ça fait mal. Prends ça, prends ça, prends ça. C'est toi aussi, prends ça, c'est gratuit. C'est gratuit, vas-y, vas-y. Prends-toi ça, prends-toi ça. Prends-toi ça. Ah ouais, mais. Là, 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 ça va faire tomber là. Ils veulent manger tous des cailloux dans la tête. Allez, toi aussi. Allez, oh, qu'est-ce que tu me fais l'autre? Il m'envoie une grenade ou quoi? Moi mes points, ça, ça fait plus mal qu'une grenade. Allez, ciao. Ton piège raté mon gars. Par contre toi, je vais pas te rater. J'arrive. Bouge pas. Tiens, mange. Mange. C'est la maison qui paye. Bon moi je prends un gros caillou avec moi. Ah, c'est le gros caillou que j'envoie là-haut. Je vais se toucher. Ouais. C'est cool. J'espère que t'as apporté des vêtements de rechange. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Mais pourquoi j'ai été par là? C'est même pas par là. J'ai vu le tracé, mais je sais plus où qu'on monte. Là. J'ai vu le tracé sur le côté. Ouais, là, regarde. Hop là. À en croire ton silence, bah, allez, j'ai trouvé ça drôle. C'est pas grave. Ah, c'est ça. Je crois que Bruce non plus n'aime pas mes blagues. Là. Ah oui, on sautait contre et après, okay. C'est ah, ben voilà. Ok. Je mentionnerai parfait, plus parfait, le type aux lunettes. Banzai. Là, je suis coincé. J'ai encore fait une boulette. Je pense que c'est pas ça. Ah, voilà. Faut les voir des fois, les tracés. Ouh, dur. Ah, là, un bon coup, ça devrait péter. Je sais pas, non, comme ça, pas. Comme ça, non, c'est pas ça. 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 Si, c'est ça. Ah, voilà, là. Et là, on peut casser. Là, on va casser. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais pourquoi ça casse pas? C'est quoi ce bordel? Allez, casse! Mais pourquoi on peut pas? Tout à l'heure j'ai cassé le même mur exactement. Ouais, bizarre. Et si je mettais toutes mes forces peut-être? Voilà, allez, mets toutes tes forces Hulk. Même pas. Purée. Mais toutes mes forces, mais tout ce que je peux faire je l'ai fait. Et ça casse pas. Bon bah c'est... Je crois pas que c'est ça mais bon. Oh, je suis tombé. Je sais pas si je vais réessayer. Oh non, je suis encore tombé. Allez, monte. On va retenter une dernière fois. Peut-être un bug, ça peut arriver. Non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Purée, pourquoi ça marche pas?
Là, j'ai fait la plus grosse attaque. Ça a même pas cassé. What? Allez, casse, 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 casse. Cassouille, cassouille. Mets-lui des cachots au mur, là. Il devrait péter. Bon, bah, c'est... Je vais pas passer ma vie dessus pour essayer qu'il se casse. Oh là là. C'est le bordel. Ah, il y a un passage là-bas. Attends, j'ai vu les traits sur le mur. Autant qu'on fasse ça, on va pas se prendre la tête. Hein. Ah, faut remonter. Je suis tombé. En voulant être gourmand et trop pressé. Voilà. Là, on fait comme ça. Voilà. Ah, j'ai atterri là. Ah, il y a un tuyau là-haut. Je sais pas ce que c'est. Ouais, on va. Raison. Ah non, on peut pas. C'est une véritable base. Bon, bah, on va passer en bas. Hein. Ah. Qu'est-ce que j'ai découvert? Ok. Salut à toi. Oh là là. Ok. Alors, ça va. C'est magnifique. Je sais pas où on est. Dis-moi où on est là. On doit trouver Jarvis et ah, il y a une porte là, une porte vitrée avec des écritures. Je l'éclate, je l'éclate, je l'éclate. On va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Voilà. On rentre dedans. Ah, on va escalader. Voilà, c'est le bas avant d'arriver. Sûrement un entrepôt ou une usine. Un truc comme ça dans ce genre. On va remonter. Ah bah elle va plus vite que moi, hein. Elle est déjà là. Ouais, regardez, il y a une genre d'usine hein, ou d'entrepôt là-haut. Bon, on va voir ce que c'est. Hein. Oh, il y en a en bas de moi. Et si on les écrasait, les petits moustiques en bas. Allez, c'est parti. J'ai envie de faire le ménage, je suis pressé. Yo, ménage accompli. Ah non, pas accompli, il y a encore du monde un peu plus bas. On va les calmer avec leur petit laser rose là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec ton petit laser rose? Tu veux que je te calme? Tu veux que je te calme? La vérité sur la tête, sur ma tête de ma tête, je vais te calmer. Tu vas pas comprendre. Ça fait hyper mal ce que je fais moi. Comment je lui ai foncé dessus ou quoi? Je l'ai dépouillé lui. What the fuck? Bon allez. What? C'est de la fumée verte autour de moi. Je pense que je suis en mode colérique là. C'est pas le moment de rester devant Hulk. Hein. Faut pas trop l'emmerder là. Faut pas trop le chatouiller. Ton Hulk il est en colère là. Toi aussi tu vas morfler toi. Morfle. Hein. Hop, un peu d'énergie de récupérer, on va essayer. Ah, oh, il y en a qui me tire là-bas encore. Mais c'est abusé, c'est abusé. Toi, viens voir là. Tout à l'heure, t'étais pas là, tu téléportes, toi, c'est pas possible. Mais je vais t'attraper, mon gars, tu vas pas comprendre. Là, je te l'avais dit que j'allais te mettre la main dessus. Tu vas plus te téléporter avec moi. C'est terminé. Oh non. Encore des soldats et en plus bien perché. Non mais ça va tranquille. Allez, la colère de Hulk. On va mettre notre colère. Ah, ça fait du bien de tout casser. Bon maintenant faut que j'arrive à monter là-haut parce que je pense que... Ah non. Je passe en bas du coup. Il y a du monde. Qu'est-ce qu'il fait l'autre avec ce coton-tige rose? Il veut que je le calme. Je veux te le prendre dans les oreilles ton coton-tige rouge. Rouge ou rose ou je sais pas ce que c'est. Non c'est rose. Un gros coton-tige bien rose. C'est celui des barbapapa. Allez, dépêche-toi. Vas-y, bouge, bouge, bouge. Oh, l'enfoiré. Je lui demande de bouger, il m'a éclaté. Ah, t'es pas gentil, toi. Ne bouge pas, tonton Hulk. T'as compris? Arrête de me faire mal. Je vais m'énerver. Voilà, tu l'avais dit. T'as mangé la poussière. Hop. Oula. Attention à la fumée. Oula. Qu'est-ce que c'est qui m'a attaqué là? Faut pas y toucher. Oula. Je vais t'assommer. Je vais t'éclater. T'assommer. T'éclater. T'assommer. T'as pas peur. Thank you.
allez. Enfoiré, enfoiré. Tu me touches pas point, tu me touches pas point. Bon, je crois qu'on a réussi ce côté-là. Maintenant, on prend le rôle de la nana élastique. Je pense qu'elle doit essayer de retrouver le chemin pour retrouver Hulk, qui est en plein combat. Regardez-moi cette classe. Jolie photo. Les Avengers au tout début. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, je sais pas ce qu'elle est en train de chercher. Hein. Elle va trouver son bonheur. Ah. Je sais pas ce qu'elle cherche. Ah, je crois savoir là ce qu'elle a vu. Mais non. C'est pas un disque dur. Jarvis. C'est la forme du disque dur, sérieux. Et balèze, hein. Ça va être au moins un 15 tera. Non, ça existe pas, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Mais 10 tera. Qu'est-ce que tu as là, vermine? Oula. Il y a deux ongles, lui. Ouh. Et si tu me donnais ce que tu tiens? Qui c'est, lui? C'est qui, lui? Je peux toujours essayer. On dirait Hulk qui a mangé du poisson. Très décevant. Il est chelou, le tac. C'est pas... Oh, Hulk, comment il arrive? C'est le fou en l'air. Waouh, waouh, waouh. Je te souhaite un bon retour parmi nous. Oh, ce combat, ça va être ça merveilleux. Ça a l'air d'aller très fort. De à me faire cette grosse crapule. Trouver la fille. Allez, viens là, toi. Tu vas avoir faire à ton Hulk. Et toi aussi, tu veux des cachous? En plus, t'as mis des sorties, je vais te faire comme un poulet. Tu vas bouffer les cachous, allez, mange des cachous, tiens, cachous. Oh, oh, mange ce cachou, cachou. T'aimes ça, hein, les cachous, hein? C'est gratuit. Me dis pas merci. Fais gaffe, tu ressens 300 watts. Remarque comme ça, tu ressembles à tout, c'est un poisson brûlé. Allez, les armes, qu'est-ce que t'es? Mais t'es moche. Alors j'ai envie de te refaire l'angle du portrait. Mais laisse-moi refaire ton portrait, t'es moche. Aïe, aïe, aïe. Ouh, il m'a fait mal. J'ai pris le truc en pleine tête. Aïe, 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 aïe. Voilà. Je vais t'éclater. Désolé, j'avais la mallette loin du micro pour pas faire trop de bruit. C'est bon. Peut-être mieux d'entendre que je suis vraiment en train de jouer. Parce que ça fait un peu bizarre quand même. Allez, finis-le. Ah non, 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 mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il m'a fait mal. Mais t'es vilain, toi. Aïe. Aïe. Ça fait mal. Ah oui, c'est mon délire, je suis bien des archives. C'est vrai. Mais pourquoi tu es en colère? Calme-toi. Dans les cachous, tu vas pas rester debout, quoi. Qu'est-ce que tu sens? C'est ici que j'ai évolué. Allez, je vais t'exterminer, mec. Allez, hop. Comme au catch. Petit string et au sol. Clac, 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 clac. Aïe, oh. C'est vraiment pathétique, toi. J'aime vraiment quoi le tapisique. Maintenant c'est à mon tour de te mettre ta pâté rempli de cachou. Et là, je vais t'exterminer, mon gars, tu vas pas comprendre. Tu vas prendre cher. Bon, j'espère qu'il y a un truc qui va te plaquer contre. Et qui va te calmer, parce que là, je commence vraiment à me couper l'air. Prends ces cachous en pleine face, il manque pas beaucoup. Allez, YB. Ouh. Elle est belle la bouboule dedans. Hop là. Oh, donc je vais rattraper celle-là. Allez, il y a bien du gilet de dessus. Allez, sur ta face. Et paf, et paf, et paf, et paf. C'est rigolo de faire un damage qui purée. Attends, on va encore plus faire une grosse purée. Ciao. Enfin, il y a un truc à lui faire les ongles. Mais ça, c'est pas mon boulot.
Est-ce qu'il est mort? Où est-ce qu'on est? Là, je suis sûr qu'à Hulk, elle doit demander s'il est mort. Oui, il vaut mieux. Hein. Bon. Parce que s'il a encore en vie, ce machin. Bref. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que c'est bien de se balader, mais... Montre-moi tes secrets. Oh, c'est quoi ce truc à l'écran? C'est chelou. Sujet 705. D'après notre scientifique en chef, nous avons réussi la rétro-ingénierie du Terrigène. Au moins, on saura ça, hein. Attendez, s'il vous plaît. Du calme. Dans un moment, tout sera fini. Administrez le remède. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà ça. Mais vous lui faites mal. Bon, j'espère que ce let's play sur la bêta de Marvel Avengers vous plaît. Il y en a en totalité pour 1h13 de vidéo. On est à plus de la moitié déjà là. Et juste pour vous dire, voilà, moi ce que j'aime dans le jeu c'est les combats, c'est tout, c'est excellent quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Le sujet 705 a très remarquablement récupéré et sera surveillé les prochaines 24 heures. C'est excellent. Félicitations. Là, sûrement qu'elle regarde une vidéo venue de ce genre de truc, labo chouette, là, je sais pas ce que c'est, pour savoir ce qui s'est passé à l'époque. Je pense que ça va être ça. Il faut qu'on sorte d'ici. C'est trop dangereux. Ouais. Bien sûr. Alors là, vous voyez bien Bruce Banner sans lunettes, avec un blouson du Shield. Et regardez bien juste après quand ils vont ouvrir la porte. Regardez là. Bon bah, bizarre. Si tu veux, tu peux rendre l'endroit. Je suis en un chemise peu plus... violette avec mes lunettes. Douillet. Et voilà. On dirait pas que c'est la même personne qu'elle a vue. Ça fait bizarre, hein. Ça va. À moins qu'il avait des lunettes dans une des poches, il les a mis, il a enlevé le blouson, il est resté en chemise violette. Oui, c'est rien. Vous avez vu comment il va très vite quand même. Ok. Bon, bah... Ok. Et si c'était vrai? Pardon, tu disais? Le remède. J'écoute un peu le... Si c'était vrai, enfin... Ça a l'air d'être vrai, mais... Si la je pouvais redevenir normal... Ouais. Eh ben, tu sais... Ça marche pas comme ça. Tu les as bien vus, non? Et n'oubliez pas... très mal, mais... Je vous refais penser vite fait. Ce jeu sera disponible le 1er septembre. Marvel Avengers. C'est vrai. J'admirais tellement les super-héros et... Je me disais que si... Si je pouvais gagner ce concours d'écriture de fanfiction, je sais pas, tout serait peut-être plus... Elle est en train de s'énerver. Ah, peu importe. Regarde-moi. Je crois que... Je suis un monstre. Ça sert à rien de se détester. Mais non, t'es... C'est pas parce que t'as des pouvoirs que t'es comme les super-héros qu'il faut se détester. Au contraire, tu peux te servir de tes super-pouvoirs pour être un super-héros comme les Avengers. Tu as vu ce que tu as fait. Bref. Faut être très courageux. Je pense que pour ça va être la suite. C'était stupide. Mais très courageux. Et peu de gens seraient. Eh ben, capables, dis donc. Tu sais. Le bien, c'est pas ce qu'on est. Hein? Non, c'est rien. Merci. Cette pièce est très bien. D'accord. Où elle le sera. D'accord. Enfin, oui. Ah, désolé, j'écoute bien les cinématiques des fois aussi. Plutôt. Parce que c'est sympa. Chouette. Ouais, merci. Ok, j'ai des choses à faire. Bah, merci. Où va Bruce Banner? Où c'est qu'il s'en va, lui? J'ai pas tout compris, là. Bravo, Kamala. C'était pas gênant du tout. Mais maintenant, là, j'ai ma propre chambre dans le chimère. Je crois. Trouver sûrement des choses qui peuvent être utiles. Pour Bruce, je pense. Là, on va faire X. Je me demande qui logeait ici avant. Je sais pas ce qu'on a trouvé. Non, il n'y a rien.
Alors, on fait X. Ah. Le chimère. Hop là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Je me suis retrouvé dans un autre endroit. Voilà. Ah. Bien joué, Kamala. Ok. Jarvis, on doit trouver Tony. Ça serait pas une porte de téléportation pour aller dans... dans les mondes pour les missions, pour les combats et tout. J'aime pas bizarre. Ça. Oh non. Il semblerait que ma liaison neurale ait été endommagée lors du crash du Chimère. C'est une technologie exclusive du Shield. Sans elle, je ne peux pas accéder à la base de données globale. Du Shield ? On va appeler Maria. Maria, je trouve qu'il y a pas mal de cinématiques quand même. C'est elle qui dirige le Shield maintenant ? Plus ou moins. Entre temps. Personne ne sait ce qui est arrivé au directeur Fury. Il est la seule en qui nous pouvons avoir confiance. Je les ai pas comptés, mais il y en a pas mal de cinématiques. Contente par contre, je veux dire, j'ai pas fait tout le jeu. Hein. Après ma confrontation une version avec bêta, Luke, je n'étais pas sûr d'avoir de bonnes nouvelles. J'ai fait ce que je pouvais oui. faire. Hein. Je vous présente mes excuses. Hulk traverse une je préfère période vous dire. Hein. Et bon, pour voir la vous suite du jeu, bah, j'attends nos la petite réponse de ce jour-là. Square Enix. Mais je suis contente de voir que les Avengers se reprennent. J'aurai une version d'évaluation. Déjà, j'ai évalué le jeu avec la version bêta. Kamala avec la version officielle. On est que deux. Ça donne encore plus. On essaye de trouver Monsieur Stark. Oui, il voilà. faut une liaison neurale. Pour l'instant, moi, je suis pas déçu. Rien qu'avec la bêta, je suis content d'avoir. Et la plupart de nos agents se cachent. Mais j'ai peut-être une idée. Bon, j'envoie les coordonnées à votre terminal de mission. Je vous ferai briefing en chemin. Compliqué de voir tous ce ne sont pas les personnages du film, mais bon, moi, je les trouve autant bien. Il n'y a pas à dire. Ah, il y a un point au milieu de la carte. C'est quoi ? Carte, je sais pas ce que ça représente. Ah, servez-vous d'accord, du terminal en fait, voilà, ça, pour choisir la prochaine missions. Destination du Quinjet. C'est bien les ce que je me disais, il y a des missions en fait. Hill désigne une région ça fait comme un globe avec Tundra. Des missions. J'ai marqué son emplacement un, sur un le globe terminal. Vraiment zoomé. Les missions critiques dans votre enquête sur la IM portent le symbole comme mission A des Avengers. Je me suis dit que c'était approprié. Okay. Certaines missions vous conduiront à affronter des ennemis avec des capacités ou des modificateurs spéciaux. Je vous recommande d'examiner avec soin les paramètres de chaque mission. Désolé, et je suis en train de lire, c'est pour ça que du ok. D'après nos rapports, les forces de l'AIM dans cette région utilisent des armes cryogéniques. Toute pièce d'équipement offrant une résistance au froid augmentera vos chances de réussite. D'accord. Ah, en fait là, on a une mission je crois, et puis il y en a une deuxième qui s'ouvre après. Ok, j'avais pas vu ça comme ça. Tu savais qu'il était là depuis tout ce temps? Pas du tout, je t'assure. Tu voulais juste faire un petit road trip en camping-car, super. Pas vrai? Non. Je suis des Avengers, je sais pas. Non. Les Avengers étaient plus gros, non. Je crois. Mais c'est utile pour se déplacer, en tout cas. Ça fait plaisir. Petit chargement après une cinématique. Je sais pas s'il y aura une deuxième cinématique. On va voir ça. S'il va y avoir une cinématique. Ah si, il y a une cinématique, on voit les persos. Captain America. Il est beau quand même. Hulk. Alors lui, je l'aime bien quand il fait sa tête avec la crise là, comme ça là. Bien énervé. Ah, il est cool comme ça. Moi, j'aime bien ce style. Même avec la barbe, je le trouve, il fait super aussi. Thor, ça va, il a l'air pas mal quand même. Iron Man est bien fait comme ça dans ce style aussi. Bon. Black Widow. Ah, ok. Donc du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Toujours la carte. Ben, la mission est là. J'ai pas compris pourquoi c'est pas prise. Ok. Certainement bugué, non? Ah,
chargement. Ah bah voilà. Ok. Ah, c'est pour ajouter d'autres personnes, les inviter pour jouer avec vous. Mais moi, comme je suis tout seul, je vais pas inviter d'autres personnes, puisque bon, je pense pas que les gens sont sur la bêta. On verra bien ce que ça donne. Ces styles de mission, je connais pas. On approche les 1 heure de let's play sur la bêta. J'espère que c'est pas trop long pour vous, mais bon, je voulais vous montrer bien cette bêta avant de conclure avec le jeu officiel. Là, on va voir ce que ça va donner. Ah, apparemment, ça ne démarre pas. Je crois que je me suis encore trompé de côté. Hop, on revient. Je sais pas pourquoi ça veut pas démarrer. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est bon, ça démarre. Oh, il y a Hulk avec moi en partenaire. Maybe Mr. Stark can find us some more footage of what happened to Cap. Je vais essayer de se la pète en plus. Hulk est assez tranquille. Bon. On va patienter. C'est long à charger quand même. Ah voilà. Je vous donne accès à la fréquence sécurisée du Shield. S'engager. Elle devrait vous mener au bunker. Attendez, je détecte des interférences. Ah. Quelque chose bloque les trackers. Essayez de trouver ce que c'est. D'accord. Ok, d'accord. Ah, on va encore faire le saut de l'avion. Hop là. Oh, joli. Elle est bien souple, là. Il faudra garder un œil sur lui, voilà. Comme ça. Alors, coup, la n'a pas été par le bunker. Et ils ont installé leur propre base dans la même zone. Essayez de ne pas vous faire repérer. Pastache, pas vrai, Hulk? Pas d'inquiétude. Je vais vous guider jusqu'au brouilleur de signaux. Oh, la descente. Alors, il faut aller au point. On va aller là-haut, c'est un vaisseau de la IM. L'élément qui obstrue le signal devrait être quelque part par là. Ah, ça le mode agrandissement, j'adore ça. C'est cool. Je suis plus grand que lui. C'est incroyable. Et après, c'est le mode de Tracy. Je détecte une unité d'élite de l'IM près de vous. Battez-la et vous obtiendrez peut-être quelque chose d'utile. Merci, mes bras élastiques. C'est le bonheur d'avoir des bras élastiques. Cherchez un coffre contenant des ressources spéciales à proximité. Hop là. On saute, on s'accroche. Alors, on va essayer de sauter sur le pont en s'accrochant. Et voilà. Là. Je sais pas pourquoi, ça sent les ennemis à plein nez. Elle était. Dis-moi pas que j'ai pas raison. Ouais. Allez, un gros cache-le en tête. Au suivant. Et il descend de rien. Je suis en train de tous les défoncer un par un. Allez, allez, allez. Dans la tête, les cache-le. Dans la tête, les cache-le. C'est bon, ça. Ça m'arrange. Oh, c'est quoi le gros truc avec là? Wow 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 wow, il me fait mal. C'est quoi ce truc? Je vais te calmer, moi. Bon, c'est un truc, il me fait mal.
Alors, où j'en étais moi? Je suis paumé, je sais plus où il faut aller. Je dois être plus près pour infiltrer le système. Je peux y arriver. Vous allez devoir vous occuper de ce qui perturbe le signal avant de chercher le bunker. Mes excuses, continuez. Il y a un conteneur de ressources spéciales à proximité. Je me demande ce qu'il y a dans ce bâtiment de l'AIM. Si vous voulez en savoir plus, il devrait y avoir un mécanisme de verrouillage externe pour ouvrir les portes. Ah oui, une sorte d'interrupteur. Tu peux regarder si t'en trouves un par ici, Hulk ? L'AIM est droit devant. Tu peux passer discrètement ? Apparemment pas. Cherchez un coffre d'équipement à proximité.
t'es un Avenger ? C'est sûrement cette antenne qui brouille notre signal. Vous allez devoir affronter les forces de l'AIM pour l'atteindre. On va leur montrer, mon grand. J'essaie de libérer le signal. Restez à proximité du système de sécurité. Donnez les forces de l'AIM à distance du système de sécurité, s'il vous plaît. Presque pris le contrôle du système de sécurité. Tenez encore un peu. On peut les battre.
attention. Des méchants. Toi, t'es un Avenger? C'est sûrement cette antenne qui brouille notre signal. Vous allez devoir affronter les forces de l'AIM pour l'atteindre. Tu vas leur montrer, mon grand. J'essaie de libérer le signal. Restez à proximité du système de sécurité. Bagarre générale. Bon, j'espère que la bêta de Marvel Avengers vous a plu. Voilà, c'était ma première let's play sur ce jeu. Ciao ciao, c'était Cédric.